faut que j'amène mon petit truc. Je l'ai deviné. Non, ouais. Comment t'as fait? J'ai deviné parce que je le connais celui-là. Non? Si. Non, pas du tout. Je reconnais ça, je reconnais ça. C'est quoi? C'est pas le loup. Ah, je sais pas, regarde. Voilà pour ton anniversaire. Tiens, on va regarder si c'est regarde. Le loup. Regarde. Voilà. Ah, c'est le loup. Oh, la merveille. La merveille. Quelle merveille. La chose inavouable que vous faites devant la télé. Quand je regarde la télé? Oh, ben, je suis souvent en jogging. Et donc, je sais pas, je me gratte pas tout le temps. Bon, c'est élégant. Non, mais vous me demandez un truc inavouable, je vais vous décevoir si je vous raconte pas n'importe quoi. Dans votre matinale, il y a une séquence en tout cas qui s'appelle la question ouf, oui. Que j'aime bien. Et il y en a une qui m'a fait marrer, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux en 5 secondes? Alors, ah, c'est vrai ça. Camille, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, en 5 secondes? En 5 secondes, j'ai vraiment le droit de le dire? Ah ben, j'ai tout le droit de le dire. Tout. Mais qui se souvient 94, t'étais pas né en 94? J'avais 3 ans. Ah, quand même, ah, quand même. J'adorais la télévision. Mais t'es plus si jeune que ça. Hein. Ah, non. Qui se souvient de Madame le Proviseur? Oui, oui, oui. Moi, je crois que je me suis beaucoup masturbé sur cette série. Oh, oh, ça va. Voir Ophélie Meunier se sécher les aisselles en loge avec un sèche-cheveux. Voilà, vraiment, c'est... Je vous dis vraiment, ça suffit à mon bonheur. Mais la vraie réponse... Pardon. Ben, ça ne veut pas être simple, hein. On a dit qu'on pouvait tout dire. On dit tout. On dit ce qu'on a vu. J'aurais jamais dû poser cette question. Ah, c'est marrant parce que... Autant les deux, là, on n'arrive plus à savoir qui est qui, mais autant entre les deux, là, on sait qui est Noémie Lenoir. C'est dingue. Oh, c'est méchant. Oh, c'est pas sympa. Oh, ça, c'est oh, méchant. Oh, c'est méchant. Oh. Vous avez senti tout de suite que ce serait le père de vos enfants? Oui, il s'est passé quelque chose de particulier, en tout cas. Et on s'est toujours dit, après, avec un peu de recul... qu'on avait eu le sentiment de s'être connu dans une autre vie, en fait. Alors, depuis votre rencontre, en 18 ans, il s'en est passé des choses. Oui. Il vous épate encore aujourd'hui? Oui, chaque jour. Tony, on est revenu chez toi, au calme, dans cette banlieue de San Antonio, pour découvrir ta dernière acquisition, cette DeLorean, qui est absolument incroyable. Et elle a une histoire. T'es prête, Noémie? Oui. Ça va? Il y a un truc qui a changé, non, Noémie? On est bon. J'adore parce qu'à chaque fois que je dis ça, elle nous régale. Il y a un truc qui a changé, Noémie. Ouais. Wow, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux trucs. Hein. Mais c'est quoi le deuxième truc qui a changé? Il y a deux trucs qui ont changé. Et comment ça, il y a un deuxième truc? Ben oui. Ah, mais ouais. Écoute, je sais pas ce qu'en pensent les garçons. Florent, toi qui es. Non, c'est pour ça que je me suis tourné là. Mais non, mais c'est génial, mais c'est génial. Exactement. Il y a à boire et à manger. Alors, on y va. Elle a une vraie histoire. Ma femme savait que j'étais un grand fan de Retour vers le futur. Ouais. Et donc, elle a réuni tous mes amis et ma famille pour faire un pot, en fait, ouais. Pour mes 30 ans et de m'offrir la DeLorean. Donc, c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu de ma vie. En étant un peu humoristique, je dirais pas de silicone dans mon foie gras. À l'Assemblée, on n'est pas là pour avoir des pitres et des prothèses. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces députés français qui, manifestement, n'avait pas envie de vous voir à l'Assemblée et avait surtout envie de continuer à bouffer du foie gras. Ah ouais, regardez. Attends, continue, non, trouve pas tout de suite, attends. Ouais, ouais, c'est super. Ah oui, oui. Attends. Non. Vas-y, refais-le. Laisse. Vas-y. Non, mais refais-le. Non, vas-y, on trouve voilà. Pas. Oh oui. Une vache. Voilà, super. Je trouve que c'est vraiment pathétique, c'est sexiste. Alors évidemment, il y a cette image de moi, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cœur ou pas de cerveau. Eh ben, moi, je vais vous dire un truc. Elle est très bonne. Noémie, elle est très bonne. Ouais. Mais en mime, c'est pas nouveau. Elle est excellente.